Mais d'où vient Coroner ? Ésope accorde un point. C'est d'exceller en tour plein de matoiserie ? J'en cherche la raison et ne la trouve point. Quand le loup a besoin de défendre sa vie ou d'attaquer celle d'autrui, n'en sait-il pas autant que lui ? Je crois qu'il en sait plus, et j'oserais peut-être, avec quelque raison, contredire mon maître. Voici pourtant un cas où tout l'honneur échute à l'hôte des terriers. Un soir, il aperçut la lune au fond d'un puits. L'orbiculaire image lui parut un ample fromage. De seaux alternativement puisait le liquide élément. Notre renard, pressé par une faim canine, s'accommode en celui qu'au haut de la machine, l'autre seau tenait suspendu. Voilà l'animal descendu, tiré d'erreur, mais fort en peine et voyant sa perte prochaine. Car comment remonter, si quelque autre affamé de la même image charmée, et succédant à sa misère, par le même chemin ne le tirait d'affaire. Deux jours s'étaient passés sans qu'aucun vint au puits. Le temps, qui toujours marche, avait pendant deux nuits échancré, selon l'ordinaire, de l'astre au front d'argent la face circulaire. Sire Renard était désespéré. Compère Loup, le gosier altéré, passe par là. L'autre dit « Camarade, je veux vous régaler. Voyez-vous cet objet ? C'est un fromage exquis. Le dieu Faune l'a fait. La vache Yo donna le lait. Jupiter, s'il était malade, reprendrait l'appétit en tâtant d'un tel mets. J'en ai mangé cette échancrure, le reste vous sera suffisante pâture. Descendez dans un seau que j'ai là mis exprès. » Bien qu'au moins mal qu'il pût, il ajusta l'histoire, le loup fut un sot de le croire. Il descend, et son poids, emportant l'autre part, regagne d'en haut Maître Renard. «
Ne nous en moquons point, nous nous laissons séduire sur aussi peu de fondements. Et chacun croit fort aisément ce qu'il craint et ce qu'il désire.